Je lance la VOD de Punch Club 2, Fast Forward. Ce soir, on devait découvrir autre chose, mais finalement, on découvre ça. Merci beaucoup, Sorfouille. Il y a plein de clins d'œil à des jeux connus. Ouais, à des jeux, à des films, à des séries, à mille trucs. Attendez, je vais me mettre deux secondes. Ah, il y a le feu d'artifice. Oh, m'en fous. C'est la fête nationale aujourd'hui en Belgique. C'est un jeu de gestion de combat. Avec arbre de talent, machin truc. Ouais, j'ai vu un petit peu, ça avait l'air cool. Wesh, hey go. Feu d'artifice, oui, oui, j'entends. J'entends du bordel, j'entends des explosions et tout, il y a le feu d'artifice. Ici, il y a R. Et bah, ah ouais? Il y en a pas près de chez toi? Bah, remarque, moi, j'habite pas loin d'endroits où il y a des festivités, donc c'est normal. C'est officiel, c'est là que c'est la meilleure. Bref, la VOD, elle s'en fout que ce soit la fête nationale en Belgique. Ce qu'elle veut savoir, c'est si le jeu est bien, et on va tester ça tout de suite ensemble. Voilà. Description du jeu sur Steam, j'ai eu le droit à ça. Vous êtes venu ici pour lire des descriptions de jeux et jouer à des simulations de gestion de combat. Manque de bol, vous êtes à court de descriptions de jeux. Putain, ils sont trop forts! Mais paraît que le jeu est trop drôle, en plus il est en français, let's go! Nouvelle partie. Difficulté d'origine, telle que voulue par les développeurs, ce mode convient aux joueurs ayant l'habitude de jeux de gestion. Franchement, je suis pas très habituée aux jeux de gestion, même si j'aime bien ça. Mais on va prendre normal. Sinon, en fait, on s'ennuie. Oh, j'attends! C'est le seul moyen. C'est quoi, c'est quoi? C'est un flashback de ce qui s'est passé dans le premier? Mais tu es notre père, l'heure de la vengeance. Je suis ton père. Oh, le chaton. Donne-moi ton autre patte. Qu'est-ce que c'est que ça? Non. Oh, quel rêve étrange. J'avoue, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai cliqué n'importe où. Heureusement que c'est terminé. Bonjour mon fils, tu as bien dormi? Tu peux pas savoir, tu veux pas savoir. Oh, de cauchemar, passe-moi mes bonbons s'il te plaît. Oh purée. Quelque chose de pas dans le biquet? C'est papa qui m'appelle comme ça? Maman, t'es une grosse baveuse. Ah, de quoi? Tu sais cette façon de parler à ta mère? Non mais sérieux, regarde. Les gens changent avec les années. Mais ouais, regardez la mer. C'est une larve. Plus important est dans les médias. C'est quoi le plus important alors? Rien de tout cela n'est réel. On s'en doutait un peu. Nous ne nous sommes jamais rencontrés. Mais papa, je comprends pas. Papa, tu me prends vraiment pour ton père? Franchement, non. Parce que c'est le... Ah, oh, c'est un lion en fait. Qu'est-ce que ça fait à mes parents? Ah, mes parents, crinière galeuse. Tu vas faire quoi, hein? T'es exposé à la tronche? J'ai exposé à la tronche. Moi? Tu peux pas peur. Je tabasserai tous ceux qui mettront ma famille en danger. Tous? Allez, gamin. Ah bon, à la tête, c'est un ordre. Mais. Qui c'est? Qui? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Pas pour une fillette! Je vais te montrer une vraie frappe! Oh! Je peux avoir des voix différentes? En fait, je peux pas changer trop. Ça, les textes sont trop rapides. Si je change à chaque fois, ça va être trop long. Je suis venu de cet endroit. Je l'ai vu dans mes rêves. Parfois, toute une vie semble se réduire en un seul instant. Un seul combat. Vous avez vu? Là, je ne passe pas en fait. C'est trop rapide. Le combat qui t'attend peut être remporté à coup de poing ou de pied. Ne peut être remporté à coup de poing de pied ni même avec un gros pied de biche, mon fils. Papa! Tu peur? Je peux pas y arriver sans toi. Il n'y a pas le choix. Je t'en prie, ne m'abandonne pas. Retrouve-moi dans la ville haute. Tchou! J'ai à peine le temps de respirer en vrai entre les punchlines. Hein, entre les lignes de dialogue. J'aurais pas le temps de changer de voix. C'est pas Bleu Cipo, là. Ou alors ils ont tous la même. Y'a un rêve chelou. Ah mais c'est quand la fin du rêve? C'est reparti pour le train-train quotidien. Bonjour, mon vieux tapis. Oh! C'est bon, je game! En mode latence basse. Comment ça en mode latence basse?
Oui, je suis en latence basse. Y'a pas une option pour la vitesse des textes? Je sais pas, j'ai rien pu... Bah voilà, les options sont là. Ah ouais, voilà. C'est ça. Alors, y'a de l'entraînement. Y'a du... Faut manger. T'as à manger, ça? Bonjour, monsieur Strib. C'est l'heure du petit-déj? Requête invalide. C'est la première fois qu'il fait ça. On va essayer. Requête invalide, nourriture indisponible. Peut-être quoi c'est? Non monsieur Strib, mettez-y vous un peu du vôtre. En fait là c'est bon, je vais pouvoir passer moi-même donc je pourrais faire une voix je pense. Requête invalide, nourriture indisponible. Cette situation va nécessiter les compétences d'une personne plus qualifiée. Maman! 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 Un micro-ondes, il veut pas m'obéir. Tu peux m'aider, s'il te plaît? Obéis-toi. J'ai faim. Débrouille-toi avec le distributeur de bouffe. Mais j'ai essayé, elle peut se dire de nourriture indisponible. Hein. Peut-être appeler un réparateur de nourriture indisponible. Hein. T'es sûrement surpris de s'apercevoir... Hein? Qu'on soit arrivé à obtenir je sais pas quoi. Tu veux dire que depuis tout ce temps, on veut notre nourriture? Bien que non. Pfiou. Et juste qu'on la paye pas. Mais c'est littéralement du vol, maman. Ça se fait pas. Attends, quoi? Je suis qu'une pauvre femme, je suis malade. Ah, bien merci. Qui a sacrifié ses plus belles années de sa vie pour un homme qui... Non. Elle a abandonné en claque. On commence pas avec ça! Je vais demander à Henri. C'est comme ça. Ah, la daronne! Il est élevé toute seule! Tu veux que j'ai pu! Ok. Mettre le son du jeu un peu moins fort, je crois. Ah, mais fais que parler! Alors, je vais essayer de préparer des voix. Lui, je lui fais une voix comment? Je fais une voix comme ça, ce sera plus simple. Ta mère, c'est Denise Duval. Oui, bah, je sais pas faire une voix différente! Alors, on a ça. Non mais je vais la mettre ailleurs, cette voix je sens que j'en aurai pas souvent besoin. De toute façon mes héritages ne seront pas sauvegardés pour demain pour Genshin, ça ira. Là on va mettre une grosse voix du coup. Moi je pense faut une grosse voix là. Moi je pense faut un truc un peu balèze quoi. Un truc un peu gros. Est-ce que là on comprend ce que je dis? C'est important. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu... Putain le son du jeu est trop fort pour moi. Ah c'est bon j'ai baissé. Ça c'est plus... Voilà, ça c'est grave ça. Grave. Ensuite il y a ça. Ça je vais faire un peu plus comme ça peut-être. J'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès du tout. Comme ça genre. Comme ça. Comme ça. C'est bien comme ça. Ah, il me faut une voix de robot. Alors là, on va faire... Ah non, mais celle-là, elle est bien. Et celle-là, elle est bien aussi. La voix de robot, je vais la faire là. Alors, attendez. Moi, monsieur. La voix de robot, je peux pas la faire, elle nique les oreilles. Je vais faire avec Artune. J'ai pas le choix. Avec de la réverb, sans écho. Bonjour. Ah, un petit peu plus aigu. Non, pas du tout. Là, comme ça. Bonjour, comment allez-vous? Ah voilà, on a une voix de robot. C'est parfait. Bonjour, comment allez-vous? Ok. Là, c'est de la réverb basique. Sinon, je lui fais une voix à lui, mais ça va être chiant. Je vais galérer un peu. Non. Je vais galérer parce que... Je sais pas comment lui faire une voix de nul un peu. Hein. Je sais pas. Je peux lui faire une voix comme ça, mais... Non. Je vais. Franchement, lui, je fais sa voix normale. Enfin, je fais ma voix, quoi. Alors. On comprend, mais c'est atroce. Ah ouais? Ouais, là, c'est atroce, ouais. Non, mais ça va. C'est qu'il faut une voix très grave. Pour les gens qui ont une voix très grave. Tu comprends? Est-ce que tu comprends, Sam? Alors que celle-là. Ça, c'est quoi? J'ai fait quoi avec cette voix? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh oui, c'était pour faire ça.
Non. Comme ça. Bah non, mais ça passe pas. Excusez-moi. Bah cette voix-là, elle sert à rien en fait. Mais c'est pas grave. Ok. Il y a du gâteau. Alors, bon, on se casse, maman. Franchement. C'est trop nul. Je sais pas comment parle un ado fort en boxe. Alors, ça c'est la ville. Faut que je fasse quoi? Ah, je suis là. Faut que j'aille là. J'ai Henri. Ah oui, j'ai Henri. C'est du Henri. Mais c'est mon voisin préféré, que voilà, pour code neuf. Si tu veux voir un bon petit film à l'ancienne. En fait, j'ai un petit problème. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, le distributeur de nourriture, il marche plus. T'as essayé de taper dessus? Je croyais qu'ils ont bloqué apparemment, ça faisait un moment qu'on piquait des nourritures. Ah, ça craint. Mais bon, t'en savais rien toi, pas vrai? Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir manger maintenant? Je peux toujours aller acheter quelque chose à l'épicerie, tu sais. Faites le chat ailleurs. Faites le chat là. Pas besoin de vous voir en fait. Elle se trouve en dehors du quartier, maman, mais laisse-moi pas y aller. Ça va, mon petit respect à ta mère. T'as largement l'âge de t'ébrouiller seule. Mais elle. Elle n'a aucune objection à ce que t'aies acheté un burger pour ton voisin préféré. Je te vois sinon. Tiens, utilise la monnaie pour te payer un petit déj, ok? Mais. L'épicerie juste au coin de la rue. Allez, t'es plus un gamin. Ouais, il s'est gratté la... Eh, il s'est gratté la jambe avec l'autre jambe. Petit geste mais pas des moindres. Je vais remettre ma cam en bas. Je fais n'importe quoi avec ma scène, je panique un peu. Ok. Oh, je sais, il me faut de l'éclairage bleu pour l'ambiance. Plus tard. C'est payant ce jeu. Oh, tu vas pas commencer, Sam, hein. Oh là là, Sam, il fait son kikou de base. Oh, mais les jeux, ils sont payants. Genre, ils sont en pixels, alors ils devraient être gratuits, en fait. Oh. Qu'est-ce que c'est, ça? Il y a un problème. As-tu une tête dans un bocal et vous parler? Oui, mon ami. Quel sens de l'observation? Que puis-je pour toi? Pourquoi? En fait, j'avais prévu de m'acheter un corps de jeune athlète. J'ai donc vendu mon ancien corps, mais avant de pouvoir m'acheter sur un blason, la crise économique avec la terre. Si, je suis baveuse. Tout à fait, RF à Futurama. Le marché de l'alimentaire s'est effondré, je me suis retrouvée quand c'est comme ça. Achetez. Je vais peut-être pas cacher ma tête à chaque fois, parce que sinon je la cache, la décache, la cache, la décache, la cache, la décache. Il y a quoi qui disait qu'il était gratuit? Mais non. J'ai jamais dit qu'il était gratuit. Mais j'ai même dit que j'avais fait une demande pour la clé. Oh, salut machin. Et t'écoutes pas, hein. Oh, moi, on me vanne sur le fait que j'écoute pas. Mais vous, c'est à chaque live, hein. Moi aussi, je peux faire un jeu en pixel art comme ça, mais moi, hein. Du coup, comment il s'appelle déjà, lui? C'est Clippy, c'est ça? Ouais. Ok, oui, appuie sur le bouton vert pour acheter les articles, là. Donc, comment as-tu fait? Tu peux y arriver, sinon, comment as-tu fait pour obtenir le jeu? On m'a tout fait à ma place. On me l'a offert. T'as tout de même pas chopé un torrent? Le jeu qui dit... T'as pas DL le jeu quand même. Sans franchement, ça se met. N'est-ce pas? Parce que tu sais que... c'est IL, pas vrai? Oh punaise. J'espère que c'est bien le feu d'artifice, sinon je pense qu'il y a une guerre qui se déclenche pas loin de chez moi. Burger d'Henri, kit culinaire. Je prends le kit. Et le burger. Attends, ma monnaie, c'était 25 balles? Présentez votre bus avant, puce afin de procéder à la vérification de paiement, s'il vous plaît. Comment il s'appelle? Joker, c'est pas de pas l'écouter. Un peu, hein. Franchement, t'as un peu utilisé ton Joker, en vrai. Il s'appelle comment, du coup, tu m'as dit? Merde, le nom. Mais je vois pas son nom. Apu! What the fuck? Il m'a fait la peau! Un problème, Apu? Mince. Bonjour, Junior, et vous? De l'attention. Mais voilà, je peux pas changer de voix là. Vous voulez qu'est-ce, s'il te plaît? Un braquage? Hors de question que je laisse faire! Je vais vous sauver, monsieur Bocal de Cornichon qui parle! Hein? J'ai dit! Ah, très bien entendu!
Très bien entendu, je te conseille de prendre cette barre au chocolat et de dégager. Oh, elle m'a donné une barre. Parce que je suis un véritable... une minute, un sneaker, ça? Trop cool. Ah non, tu veux me le donner comme ça? Voilà, c'est bon, je dévalise la boutique. Je m'en prendrai d'autres au passage. Ah, c'est vraiment cool, merci. Il est teuteux. Il est vraiment stupide, j'adore. Pardonnez-moi de vous interrompre, mais c'est impossible de revenir au braquage. J'ai failli oublier, des fois tu vois, c'est le père attentionné. J'aime trop mon personnage. J'aime trop, c'est trop moi en fait. Le gars t'as un braquage, il lui dit tiens, prends ça, une barre au chocolat. Il fait ah oh, merci, c'est sympa, mais je vais te péter la gueule. Tu peux insérer les capacités dans les emplacements prévus à cet effet. C'est Clippy, oui. La colonne correspond à une spécialisation. Capacité d'attaque. Utilisons une capacité d'attaque, oui. Pas d'attaque, hein? Passer? Pour récupérer de l'énergie? Mais c'est nul, c'est trompette! C'est l'attaque trompette, bordel! Allons choisir l'une des attaques disponibles. Ça. Ah oui, d'accord, j'ai mis ça à la place, d'accord. Les capacités différentes activeront différentes écoles de talent. Tu es un cobra Kai. Culbuto. Culbuto. Combattez. Mais moi j'ai que ça alors. Ah bah non, là je peux faire direct. Ouais, je fais coup de pied direct, coup de pied. Ça va bien. Je suis optimiste. Restaure un peu de santé. Oh! Énergie. Se revêt après un KO, restaure plus d'énergie. Réduit les dégâts reçus en cas de KO. Restaure un peu d'énergie entre chaque round. Combattez. Oh, let's go le fight! Attendez, il faut que je mette plus fort. Attends, je suis pas prête! Comment je fais? C'est moi qui joue? Ou c'est lui qui décide? Ah non, c'est lui qui joue. Pourquoi la musique, elle s'arrête quand... Oh, mais je perds! J'ai perdu! C'est quoi ce jeu? C'est Punch Club 2. Il y a le trombone de Windows dans le jeu. Alors, il y a un million de refs. Je pense qu'il y en a vraiment beaucoup, il y en aura plein que j'aurai pas. Mais effectivement, si vous en avez, si vous entendez des trucs... Le gars du mini-marché s'appelle Apu et c'est une tête dans un bocal à la Futurama. Rien que ce personnage, c'est plein de refs en une. Enfin, au moins deux, mais si ça se trouve, c'est même plusieurs. Défaite. Du coup, j'ai moins 10 de vie, moins 25 de vie et moins 10 d'endu. Vous avez combattu récemment, vous êtes encore électrisé. Ah, j'ai un petit peu l'adrénaline. Et j'ai appris à maîtriser des trucs. Ok. J'ai gagné des points dans mes compétences. Mais j'ai perdu quand même. Arrêtez ça tout de suite, vil délinquant. Mais il... Je veux pas le savoir, c'est le droit du point. Je vous emmène tous les deux au commissariat. Oh, le commissariat de fou. Merci de pas avoir capté. Ah, merci de pas avoir capté, mon pote. Ça aurait été vraiment fait de tâche sur mon SBC. Le mouchard, tu dois se mal finir. Moi, je ne mouchard pas. Ah. N'empêche, tiens quand même à te remercier. Et pas donc à la ferme baveuse. À baveuse, si tu as besoin d'un boulot. Ouais, il se transforme en Devinis Duval, lui aussi, mais je fais ce que je peux. J'ai dans son what the fuck ce jeu. Ah oui, d'accord. J'étais... Pardon. Ah mince, c'est que... Jamais eu, monsieur. Je ne sais pas ce que signifie SBC. Mais comment donc serait-ce possible? Eh bien, ma mère ne m'a pas laissé sortir de la maison et... C'est dingue ça! Ton père, il aurait pu certainement pas approuver. Vous avez connu mon père? Ma maman a toujours refusé de me parler de lui. C'est un combattant, un le meilleur. Pour le reste, c'est confidentiel. Mais monsieur, j'ai besoin de savoir, c'est très important. Allez, dis! Pour accéder à ce genre d'informations, faut devenir un policier, gamin. Bon, je vous le dis, je suis prêt. Non mais calme-toi, ça. Faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Tu dois d'abord atteindre les 2000 points de SBC. Et connaître toutes les lois. Attendez, je peux peut-être faire... Voilà, je vais faire cette voie-là plutôt. Devenir un policier, ça pourrait être délire. Parce que ce petit accroche... Pour ce qui est du petit accrochage chez Apu, disons que ça ira pour cette fois. Mais hors de question que tu quittes le commissariat sans une puce dans la tête. Mais c'est sûr qu'elle ne servira pas à me contrôler à distance. J'adore ce gamin.
c'est précisément sa fonction, mais c'est pourtant bien, écoute. SBC signifie score de bonne conduite. Plus tu as de points, mieux c'est. À partir de 9000 points, tu es officiellement reconnu comme une personne convenable. Cela te permet donc d'accéder à la ville haute, là où les rêves se réalisent. Mais comment puis-je gagner des points ? En général, les gens gagnent des points de SBC via des œuvres de charité ou en contribution à la science, aux arts, etc. Ou en faisant des subs à la Lox Télévision, c'est très connu comme technique. Ça marche avec les tournois d'arts martiaux ? Ouais, dans ton cas, c'est probablement la meilleure option. Il tente de faire de toi le membre officiel de notre glorieuse société. Il est payant le jeu et... Oh. 8 sur 20 à l'examen d'entrée. Ce combat semble t'avoir mis sur les rotules, tu devrais peut-être manger quelque chose. Un criminel sympa m'a offert une barre d'Ijikla. Mange-la. Je me souviens à l'époque où je pouvais encore faire ça. La douceur de la nougatine. Nougatine? Et toi? Tu as la dalle? Tiens un coup d'œil à ton multipassport. Il y a peut-être quelque chose de comestible dedans. Multipassport, je connais. Je la rêve. C'est quoi le multipassport? Là que tu pourras retrouver toutes sortes de nourriture. Choisis ce que tu veux manger. Moi je veux un stick. Délicieux, mais n'abuse point du grignotage, mon grand. Maman pourrait se mettre en colère. Comment tu connais ma mère? Une dernière chose, tout combattant se doit de faire un tour au gymnase Silver. C'est le meilleur endroit pour s'entraîner. Ok, d'accord, je dois avoir une discussion avec maman. Elle est où, maman? Là que cheveux blonds, en comico c'est une ref à Demolition Man. Je sais pas, je connais pas. 2000 points pour être flic, 9000 points pour être quelqu'un de convenable. J'avoue. C'est pas... Le cinquième élément, oui. Lilo Dallas Multipass. On va compter les refs. Je vais aller là. Je peux pas. Lui, du coup, tu dis? Effectivement, il a un look des plus audacieux. Mais j'ai pas de ref particulière avec ça. Faut que je rentre à la maison. Où t'étais passé? Je me faisais un sans angle. Pourquoi tu m'as raconté du mensonge à propos de papa? Quoi? T'avises pas de me parler de ce... sur ce ton? T'es le petit con, là. Dis-moi la vérité, j'ai t'en pris. Il a disparu, ce saut. Ton père était un grand combattant. Le plus grand qu'on ait jamais vu. C'est un peu trop grand, même. Juste après que je sois tombée enceinte, il s'est inscrit au plus important tournoi de la planète. J'ai essayé de lui annoncer la nouvelle, mais il n'a rien voulu entendre. Plus tard, Adri, je vais rester concentré, blablabla. Évidemment, il a gagné juste après... Il a gagné, mais juste après ça, il est disparu. Est-il parti? A-t-il été assassiné? Je n'en sais point. Mais pour moi, c'est tout pareil, c'est du pareil au même. Il ne s'est jamais soucié de moi, de nous. Pourquoi devrait-on s'en faire pour lui? Maintenant, dis-moi, où t'es passé, gamin? J'étais à la police. Ils savent quelque chose sur lui, contrairement à toi. Et ils ont accepté de me recruter, contrairement à toi. Mais tout ce qu'ils savent faire, c'est se cogner dessus. Et cogner sur les citoyens. Comment ils appellent ça, déjà? Le droit du poing. Tu vas juste ramasser des bleus et des bosses. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Que je devienne ingénieur spatial? N'importe quoi. Si la ville ne vit que par le poing, alors je deviendrai le plus grand des poings. Le pointeur, le cognard. Bref, je suivrai les traces de papa, voilà. Hein? Y'a pas de ma... Toute ma vie, tu n'as fait que de mes rêves, René. Alors maintenant, excuse-moi, mais j'ai rendez-vous pour un entretien d'embauche. Adrienne! Chapitre 1. Dans la ville. Avec des bruits de santé. T'as mangé quelque chose au moins? Non, j'ai toujours la dalle. Il va mieux de gagner quelque chose avant d'y aller, mon grand. Oui, je vais manger du chocolat. J'ai une image sur le Didi. Du gars de Demolition Man. On regarde ça tout de suite. Oh oui, totalement. Là, pour le coup, effectivement, je pense que c'était pas mal une ref, ouais. Tout à fait. Bien, wesh. Bah, voilà. Un point pour Infernalou qui avait une ref que nous n'avions point. Bravo. Vous pouvez compter les points. Vous avez la foi. Moi, je ferai pas. Grand pointeur, le cognard. Ouais, non, j'aime beaucoup.
Kit culinaire, vous voulez manger quelque chose de bon, préparez-le. Oh, mais je fais même pas ça dans la vraie vie. Ok, de la nourriture. Attends, c'est vrai que j'ai fait, je sais plus. Ok, de la nourriture du magasin, elle doit être préparée avant d'être mangée. Le temps de préparation est indiqué ici. 1 minute 30. C'est tellement plus sain et consistant que les trucs de fast-food. Mais ça, maman, te l'a déjà dit, pas vrai? Pour manger quelque chose, appuie sur... Est-ce que tu fais pas une autre voix? Pour manger quelque chose, appuie sur le bouton, la mienne. C'est bien, c'est là. Tu vas après accomplir de grandes choses en... Voyons ce que ce nouveau monde se réserve. Ouvre ton moule des passeports. Je l'ouvre. Mais un peu ton arbre d'histoire. Hein. Ah, ton arbre de quête. Tu peux apporter à un lui de burger qui t'a demandé. Hein. Voir avec Thibobo. Ah, il s'appelle Thibobo le... Il n'aura pas travaillé à la ferme. Ou alors visiter le gymnase. Peut-être voir. Bonne chance, bisous. Ok. Moi, j'ai envie de dire, on apporte déjà le truc à Henri. Il est où? C'est là? Inscrire au gymnase. Ah. Bah non, alors je peux pas lui apporter le truc à... Ah si, voilà. On va lui apporter le burger à Henri. Apou et son épicerie. Apou Nazapi ma petite lame. Normalement, je me rappelle bien. Oh, je peux aller sur le fauteuil. Mais pour rien, oui, d'accord, pour me... Et ça, c'est quoi? Oh, le chapal. Oh non, regarde-le. T'avais du swag. Je m'en vais. Je vais aller voir Apou. Pas Apou. Je vais aller voir Henri. On va lui donner quand même. 25 minutes à pied ou 2 secondes en bus. C'est ça, hein? Ah non, 2 dollars. Non, mais je comprends. J'ai combien de dollars? J'en ai 35. On y va à pied. Pas déconner. Hein. Non, 2 dollars. Oui, d'accord, pardon. Valente de burger, désolé, c'est la propre du temps. Merci mon pote, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis fait arrêter par la police. Tu vois bien? En fait, il m'a proposé un boulot. Ainsi qu'une chance de découvrir ce qui est arrivé à mon papa. J'avais dit... À propos de l'argent? J'ai jamais eu l'intention de compter la monnaie. Ce qui compte vraiment est ailleurs. Ok, d'accord. Et puis il y a le truc. C'est plus profond que ça. C'est plus profond que ça en a l'air, tu vois. Tu regardes trop de vieux films en gare, Henri. Objectif accompli. À ce sujet, ça te dit qu'on s'en fasse un? De quoi? On se souvient du bon vieux temps. Ah oui, le film. Mais quel film? Un vieux film d'action des années 80. Ça me botte, allez, c'est parti. Ah, j'hésite. Sondage, je pense. Non, c'est bon, allez. Et tu vas adorer. Je voulais le voir. Oh, 90 passionnantes minutes plus tard. Oui, c'était très bien. Eh, bon vieux film d'action, j'ai grandi avec. Je suis venu pour lécher un esquimau et botter les culs. Et j'ai déjà fini mon esquimau. Ah, c'est dans quoi ça? Et le terrophile, on aura collé à la misère juste après. Le début, c'était trop bien aussi. Dans j'en vais la barre. Pas de trop, ce sera... Ce pas de trop sera ton dernier. On entrejambe jamais la barre. On entrejambe jamais la barre. Fallait pas entrejamber la barre. Waouh, c'est pas la bonne voie. Waouh, c'est dans du beurre film. Regarde, t'as gagné des respects pour l'old school, old school. Des respects, du respect old school. Oui, un peu, ce que tu peux faire. Ouais, du coup je clique dessus. Aussi talent issu de films que tu peux déverrouiller grâce à ton R.O.S. Respect old school, eh oui d'accord. Les talents te donnent l'air plus cool hein, quand tu fais ce que tu fais le mieux en fait. Choisis un talent qui te semble plus cool que les autres. Ok, bosseur. Un personnage principal à un autre. Travaille dur et ne te laisse pas distraire. Augmente l'efficacité au travail. Poche à barre. Vous permet de transporter plus d'objets dans votre inventaire. Je pense que c'est vite bien ça. Soulever de la fonte à augmenter la puissance de vos jambes. On augmente la vitesse de déplacement en ville.
Même pour faire des pompes, il est nécessaire d'avoir une connaissance minimale des bases. Augmente l'efficacité des pompes sur le tapis. Moi, je ferais bien un bosseur. Augmente l'efficacité au travail, je pense que ce sera vite utile, très très vite utile. Ou l'inventaire. Je vais prendre bosseur. Coucou, salut Moglobin Dark, d'un personnage à l'autre. Mettre plus fort. Ouais, je fais ça. Une victoire insignifiante, mais une victoire néanmoins. Tu sais à présent comment on va l'air cool au jeu du old school. Ok, boomer. On est vraiment bien éclaté, mon cher voisin. Si ça te dit d'en mettre ça, il me semble qu'Apo possède un stock de vieilles casettes. Attendez, faut que je baisse les bruitages. C'est horrible. Je baisse la musique plus fort. J'ai un peu baissé les bruitages. Ça me semble qu'elle sert à grand chose. C'est toujours fort, non? Tu pourrais passer lui demander. Ok, je passerai le voir. Faut que j'aille chercher les cassettes d'Apo. Let's go. Et lui, c'est une ref à quelque chose. Henri, le type sympa qui collectionne des vieux films. Il pourra être plein de persos en vrai. Je m'en vais. Ah, c'est peut-être la voix, t'as raison. Et oui, en fait, on n'a pas besoin des voix. Je vais les mettre assez basses. Hop là, je sauvegarde en même temps, tiens. Petite save. Bravo génie, tu es Ryu. Tu veux qu'on se fasse un Lox? What? Un film? Mais non, je savais pas, j'avais pas compris puisque j'avais pas lu. Oh bah va te coucher, Moglobin Dark, vas-y, go. Quand te reposer si t'es tout éclaté comme ça? C'est Flanders, pas du tout Flanders. Un milliard de points pour Nintendo. Ferme Bobo ou gymnase? On va aller au gymnase s'inscrire. 3$, non. On fait les jambes, on fait les jambes. Elle écoute pas, elle lit pas. Si, j'ai fait ce que je peux. Bonjour monsieur, on m'a dit que c'est possible de se remettre en forme, monsieur. Bien sûr, regarde un peu autour de toi, fiston. Tu viens de poser le pied dans le turfu. Au gymnase Silver, on peut faire de toi un vrai joueur version 70s. On peut juste débouler le pognon. Ce serait pas un peu de la triche? Alors mon gars, la haute technologie est précisément faite pour... C'est précisément ce qui a fait la grandeur de la ville là. Le gymnase Silver est carrément autre chose que la déchetterie de ces boulets de la mafia. Hein? Comment ça? C'est quoi la déchetterie? C'est un autre truc? Bref. Peut-être faire un chou est moins grave. Tu as vu leur équipement has-been? Leur robot d'entraînement perso? Moi j'aurais honte à leur place, c'est trop nul! Intéressant tout ça. Tu devrais probablement aller y faire un tour. Mais non, je peux aller le voir. Avec nous, tu peux devenir une véritable machine à tuer en appuyant simplement sur un bouton, quoi. Puis mettre la force à l'épreuve au sein de la ligue de combat, Silver. Comment fonctionne le gymnase? Dites-moi en plus à propos de la ligue de combat. Les amateurs de toute la ville viennent combattre ici pour l'argent de... aider SBC, c'est génial. Ne laisse pas tromper sur le terme amateur, les gars. On parle pas de porn ici, il pourrait te buter, botter les fesses, mais pas d'une manière qui te plaira. En plus, y a pas de gars, y a pas que des gars, y a aussi des filles, je précise, 6 ans. Ok, oui, y a de la grosse. Ok. Comment ça fonctionne? Bonne question. Pour ça, il suffit de franchir cette porte. T'as pas timide, notre nom administrateur, tu entreras tout ce qu'il faut savoir. Alors, petit nouveau, prêt à faire tes preuves au sein de la ligue, Silver? Pour remporter les combats, c'est littéralement ce dont je te jure, mais... C'est pas aussi de temps, je m'inscris! As-tu compris, fiston? Je vais t'ajouter au registre. Tiens. Auriez-vous l'intention de rejoindre la ligue? Ils me cherchent, lui, ou quoi? Pourquoi pas? C'est leur coup. Dans ce cas, je vous souhaite une fin atroce et douloureuse. Ah ouais, clairement, ils me cherchent, lui. Excuse-moi, on se connaît? J'aime bien faire une dispute avec les losers. Cependant, retenez bien ceci, si d'aventure le destin vous amenait à croiser la route du seigneur Uwei sur le ring, vous serez alors asséné une décu...
Il vous serait alors asséné. Il vous sera alors, oui, pardon, il vous sera alors asséné une déculottée d'une violence extrême, machin, machin. C'est qui celui-là? C'est, ouais, c'est une vingtaine d'années, ça fait une vingtaine d'années. Attends, il y a une vingtaine de cela. Vingtaine d'années de cela, c'était un bandit, il travaillait pour Bobo, un cahier de la PEC locale. Mais aujourd'hui, il a atteint le SBC suffisant pour se faire appeler Seigneur. Seigneur de mauvaise manière et de délocution chichiteuse, hein. Et ouais, je fais des punchlines, moi. Je vais me faire un plaisir de le recer, ce Seigneur Rue. Va te falloir un SBC nettement plus élevé si tu tiens un défi. Ouais. Attendez. On manque de bruitage. Et la musique est un peu trop forte pour moi. Voilà, je vais y arriver à force. Mais si tu veux faire des débuts au sein de la Ligue Silver de maintenant, un combat doit avoir lieu aujourd'hui. Il reste une place libre. À croire qu'elle n'attendait que tu sois un petit vénard. Ok. Voici la liste des combattants de la Ligue. Ah non, mince, c'est l'autre voix. Voici la liste des combattants de la Guide. C'est pas du tout les doigts, mais c'est pas grave. Je change de temps en temps. Moi, je suis joueur zéro. Il y a JD. Songmo, Mad Mike, Uwei, Skinny Jenkins, Ruth, Mad Chad. Voyons qui sera ton adversaire dans la liste des combats du jour. Combat. JD! C'est le combat qui a été prévu pour toi. Ton adversaire m'a tout l'air d'être un tueur. Voyons voir cela de plus près. Ouais, je finis. La présélection de combat. Voici la présélection de combat et ses stats. En fait, il a pas l'air d'un costaud. Comment a-t-il fait pour se trouver là? Peut-être pour seule fonction de se servir du tutoriel. Il est peut-être pour seule fonction que de servir du tutoriel. Ok, ok. J'aime bien, j'aime. Non, je veux pas me battre contre JDG. On le surnomme l'aigle. J'y suis une aigle. Ok. T'inscris pour le combat d'habitude, tu dois t'inscrire d'avance. On va faire une exception pour toi. Ok, JD. Mais j'ai rien fait encore. Excellent, j'étais sûr que tu avais ça en toi. À présent, montre-moi ce dont tu es capable. Oui. Les combats de ligue ont lieu uniquement certains jours. Créneau horaire te permet de te présenter pour combattre. Il y a un créneau horaire. Ah oui, d'accord. Créneau va de 8h à 22h. En restant interdiqué. D'accord. Tu ne te présentes pas à temps pour ton combat, ça sera considéré comme une défaite. What? Présente-toi pour ton premier combat de la ligue. Pète-lui la tronche. Oh, oui! Et puis t'es avec tout. J'ai déjà un son de Daniel, chante la carioca. Punaise, ça, ce serait trop bien sur. Sur les chaînes, les milliards de chaînes qui sont en train d'utiliser des intelligences artificielles pour refaire chanter plein de classiques à des streamers, et ben ce serait trop bien qu'il y ait ça, la carioca. Ah ouais? Je l'ai pas vu la carioca, parce qu'il y a plein de chaînes en fait, je sais pas lesquelles. J'ai regardé un peu hier, mais il y en a trop. Too much chaînes. Ok, on fait quoi? Ah ben non, mais c'est bien, je suis. Ah non, je suis pas mieux que lui. Je peux changer? J'ai un nouveau truc? Passer à la phase d'attaque pour récupérer un d'énergie. Mais comment je fais pour choisir les capacités? Enfin, je peux pas, mais... Oh, mais je suis morte. Ah non, il me fait un coup à chaque fois parce que c'est gentil. Il y a une appli pour faire du doublage avec des séquences d'animes ou autre. Avec les textes qui défilent, si on faisait vraiment du doublage. Je suis sûre que Lox éclaterait avec ça. Ouais, ça me plairait ça, je ne savais pas. Enfin, je crois que j'ai déjà vu un jeu comme ça. Sur une vidéo, mais je ne sais pas. Voilà, je ne saurais pas. Jamais sur Discord. Oh oui, merci Ranma. Bah écoute, l'appli, je veux bien aussi que tu la mettes quelque part sur Discord, Rizou, si tu rappelles le nom. Qu'est-ce que je fais? Bah non, mais je combats encore. Eh franchement, je suis limite quand même. Oh, j'ai plus d'énergie. Ah si. Mais ça, c'est quoi ça? Cette barre là, je sais pas ce que c'est. Il
Ici, il faut peut-être que je mette récupérer, comme lui. J'ai tué Jidet. Yo, win. Victoire. Vous avez combattu. Donc du coup, je suis électrisé là. Et j'ai gagné du coup des stats, c'est ça ? Perdu de l'endu, perdu de la vie. Et plus, 50, plus 183 de, bah, de les SCC machin, je sais plus quoi. Statistique. Ah ! École de base, école de base. Ok. Parce que ça, par exemple, c'est les capacités qui arrivent en fonction de certains trucs, restaure un peu d'énergie entre chaque round. Ah oui, d'accord. Petit les dégâts reçus en 4KO. Ok. Moi j'imagine qu'il faudrait que je fasse évoluer ça en fonction des capacités que j'apprends. 182, effectivement. Bien, mais ma grand-mère du côté de mon père savait se battre mieux que ça. Finirait certainement comme elle, emportée par la goutte. Cette barre protéinée, elle t'aidera à récupérer un peu de santé et d'énergie. Tu pourras obtenir d'autres trucs du même genre auprès du robot du gymnase là-bas. Mais n'oublie pas ton argent, fiston, nous vivons dans le monde du capitalisme victorieux. Oh, capitaliste, tu me donnes déjà un dollar. Mais pourquoi ? Non, je rigole. En fait, non, je rigole pas. Ah, oh, c'est bon, c'est pour rigoler, là. Oh, ta tronche, elle est à plus chez nous. C'est déjà un bien beau combat. Faites-moi revenir. Voilà. En plus, il t'a permis de gagner des points de score de bonne conduite. À présent, tu sais à présent comment on devient une personne convenable. Tu peux déverrouiller de nouvelles capacités grâce à ces points. Voyons cela de plus près. Oui, il faut que je clique. Alors, le point. Il n'y a qu'une capacité défensive pour le moment, alors essayons d'en avoir une. C'est quoi? C'est à la place de ça? Ah non, c'est celle-là. Esquive ou blocage? Ah, je choisis. Vous subirez aucun dégât. Si vous réussissez à esquiver une attaque. Ok. Réduit de manière significative les dégâts reçus si le blocage est réussi. Et ça me restaure de l'endurance ou ça me coûte 2 d'endurance? Ah, c'est le coût? C'est quoi le petit... La force? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? Esquive ou blocage? Moi, je pense qu'on va faire du blocage. Ouais, je fais du blocage. Félicitations, tu vas désormais pouvoir tester des tactiques plus sophistiquées que connu ton adversaire sans relâche. Ouais, c'est vrai. Ah, je peux prendre l'esquive aussi? Oh, bah, je prends les deux. Bah, je prends les deux. Je peux prendre les deux. Je prends les deux. Ok. Je pensais qu'il fallait que j'en choisisse une. Le film me gêne. Je vais le... faire comme ça. Là, ça m'énerve, là. Faire comme ça. Faire comme ça, comme ça. Comme ça. Ça va moins m'énerver. Ok, je peux m'en aller? Parce qu'il est un peu tard là. Ah, c'est un vieillard! Ah, Silver, je pensais pas. Eh ben, je vais m'en aller. Déchetterie de la robofacture. Et là, c'est la ferme Bobo. Mais il est 21h15, faut peut-être que je fasse dodo moi. Je suis fatiguée ou pas? Un peu. Ah oui, attendez, près du robot. Je peux obtenir de la bouffe, il m'a dit. Pas du tout. Peut-être pas bien compris. De quel truc il parlait, je sais pas. Oh! Salutations, clients estimés. Je suis heureux de vous accueillir au gymnase Silver. Vous pourrez facilement gagner de la force en vitesse et en robustesse grâce à nos machines de neuro-entraînement. Cette technologie de pointe est le secret qui vous rendra invincible. Et ici, nous avons quelque chose de très utile. Après un combat de Dr. Trifouille, notre masothérapeute. Massothérapeute. Pardon, je savais pas. Faites-vous soigner ici, vous vous sentirez revivre, c'est totalement gratuit. N'oubliez pas que ce sera toujours à votre disposition pour vous fournir des boissons énergétiques. Vous recommandons une transition.
transition complète vers un régime uniquement énergétique. Et ce bassin, qui c'est? C'est quoi les gros bonhommes? Il s'agit de notre système d'entraînement au combat en RV, à immersion totale. VR quoi? Réservé à nos hôtes de marque uniquement. Ok, je vois. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me poser la pause. Achetez, on va regarder. $10 à ma protéine, la bosse énergétique, $20. J'ai combien? J'ai 35. Non mais jamais. Je vais manger mes chaussures. Docteur Trifouille, tu veux bien me soigner, Docteur Trifouille? On fout là comme ça, on verra un peu. Ouais, mais du coup, vous voyez pas ceux qui sont massés le fiac là-haut, alors je sais pas moi. De quoi, quoi? Et pourquoi ça? Le gymnase ferme à 22h, nous serons heureux de vous accueillir dès demain matin. Ah d'accord, je peux pas le faire maintenant parce que c'est... D'accord. Oh! C'est quoi ça? Ah d'accord, donc je peux faire des entraînements, ok. Mais c'est pas tout de suite parce que là c'est trop tard. 22h c'est fermé. Bon bah je m'en vais. Ouais, masothérapeute, ouais. Franchement pourquoi pas hein. Je prends la carte. Je m'en vais. On va rentrer à la maison. Ah yep, hein, tant pis. 50 minutes pour faire 2-3 pâtés de maison? Non mais sérieux quoi. Bah je me vais maman. Je vais faire du dos. Berceau. Du coup j'ai pas de bouffe. Est-ce que je ferais pas un petit entraînement avant dodo? Peut-être hein. On va faire ça. Matériel d'exercice endommagé. Ah merde. Petite pompe alors. Ah, il est bientôt 1h du mat. Allez, fais dodo. Ah, je gagne pas de vie? 3h35, au max? Tu dors pas beaucoup, gars? Ah, petite pompe, alors. J'en fais dodo. Ok. Du coup, j'ai un agraille. Non. Est-ce que j'ai une barre sur moi? Ah oui, j'en ai une. J'ai bouffé une barre, hein. Mais là, il va falloir se trouver de la moula. Je pense que je vais, avant de faire quoi que ce soit, je vais aller voir la déchetterie Robot Facture pour aller me trouver à manger. Ah non, c'était ça. C'est la ferme Bobo. Ah oui, vous la voyez pas où je suis. Mais où est-ce que je mets ma cam, moi? Là-haut, peut-être? Là-haut, c'est peut-être moins chiant. Et plus petite aussi. Voilà. Ouais, je pense que ce sera moins chiant, parce qu'il y a plein d'infos, je pense. La ferme Bobo, il m'avait dit qu'il pourrait peut-être me trouver des sous. Le taxi du cinquième élément. Ah oui, c'est possible. Oh la vache. Oh là. Bonjour. Et qui, toi? Papa, c'est le type dont je t'ai parlé. Tu cherches du boulot, c'est ça? Oui. Eh bien, le boulot est à toi, si tu es capable de coller une bonne rouste à des baveuses. Mais pour être honnête, n'importe quel crétin en serait capable. Allez, j'ai des trucs à faire, moi. Oh, il vole, le daron! Il a des gros tétons, vous avez vu? Vous avez vu? Look at the tétons. Alors, c'est ça le boulot, tu es ton père à la ferme? Ah bah, ouais, obligé. Ça n'a pas trop l'air de te plaire. C'est pas comme si on m'avait un jour demandé mon avis. Votre truc à toi, ce serait quoi plutôt? Ouais, je lui ai demandé ça. Toujours une impression que la vie avait une autre chose à offrir. Autre chose que cette ville crasseuse, que ces guerres de gangs interminables, que ces activités illégales et tout ça, tout ça. Oh, c'est Night City, quoi. Mais personne ici, même pas mon père, ne veut vraiment croire en une vie meilleure. N'empêche que j'ai un plan. Si j'arrive à augmenter suffisamment mon SBC, je pourrais me tirer de cette fichue ville en abandonnant tout le reste derrière moi. Comment tu comptes y parvenir? Bien, on se connaît pas encore suffisamment pour que je te balance tout. À plus tard, peut-être. Si vous faites avec ces babeuses. On s'en sert pour les distributeurs de nourriture. Oh! T'es en train de me dire que j'ai passé toute ma vie à manger des trucs? Bah ouais. J'ai jamais plein du goût à ce que je sache. Ah non, mais c'est trop dégueu. Derrière mon pote. J'aurais mieux de me mettre au boulot. Oui, je vais faire ça. Ah mais ça vient connaître des baveuses. Faut connaître des baveuses.
Alors là, je mets mon petit truc. T'as pété un câble? Pardon? Oh, t'as vu l'heure? Comment ça, c'est l'heure d'aller se coucher? Il est 6h55? L'heure d'aller se coucher ou de commettre des crimes? Clairement pas de travailler. On passe vers 8h, on a déjà beau. Essayez de bosser de nuit. Le boucan du tabassage de baveuse empêchait tout le monde de dormir dans un rayon de 5 km. Eh ben, je reviens dans une heure. À toute. Faut chier! J'ai mis une heure déjà pour venir! Attendez. Je suis un peu à l'aise devant les tétons. Je fais quoi en attendant, moi? Vas-y, là! Mais je fais quoi en attendant? Je fais l'aller-retour chez moi? Au pire, je vais chez Apu. Il est où? Oh, c'est long! Franchement, j'ai chez moi. Hein. 1h30. 1h30 pour aller chez moi? 1h40? 1h35, oui, c'est pareil partout en fait. 1h05 pour aller là-bas. 1h05 et 1h10. 1h30 pour aller chez moi et 1h10 pour aller plus loin. Bon, je fais. Je peux pas juste avancer dedans? Mais je sais pas, peut-être, mais je vois pas où. Peut-être que je... Non, mais non, je vois pas où en fait. J'aurais pu essayer de cliquer partout. Bon bah je me tire de nouveau. T'as des pompes, mais je fais ce que je peux. Ok, travail. Faut que je fasse des trucs. Il est déjà 18h, je vais arrêter. Sinon j'aurai le temps de rien faire. Allez, un dernier. Ah, il a faim. Bon bah j'arrête. J'arrête et on va chez Apu. J'oublie où je dois cliquer. Non, trop cher. C'est la daronne du rêve, oui. Bonjour, monsieur Bocal. Est-ce que ce serait... Pas d'astrogène combattant en personne. Comment ça s'est passé, notre rencontre avec les forces de l'ordre? Non, c'était plutôt ça. Plutôt bien, j'ai une puce de spécial maintenant. Voyons. Ah, mais oui, souhaitez-vous acheter quelque chose? En fait, je me demandais, vu que j'ai quand même protégé votre boutique, vachement efficacement, en prenant une barre de céréales. Oui, un service pour un service, bien sûr. Peut-être juste faire de l'écho. Non, pas de l'écho, de la réverb. La réverb, peut-être. Je suis si pauvre, mon garçon. Non, mais c'est nul, la réverb. Non, je vais revenir comme j'étais avant. J'aime pas de quoi me payer un corps, pas de ristourne. Oh! Je connais un type qui connaît un type qui connaît un type qui connaît un type qui serait prêt à vous donner un travail. C'est dans une pizzeria? Je suis toujours rêvée d'essayer de travailler là-dedans, comme Fry. Non, la pizza, c'est fini. Fichue baveuse. C'est vrai, nouille. Allez au boulevard du club et dites-lui que c'est Apu qui vous envoie. Bon, et maintenant, vous êtes acheté quelque chose? On voit des cassettes. Ah oui, c'est vrai. Attendez, je vais acheter quand même de la bouffe. Barre énergétique à 20$. Un café à 12$. Oh, c'est cher. Repas de baveuse, alors. Un sandwich. Je vais prendre un sandwich. J'en prends deux, au cas où. Du coup... Oh, mais ça fait penser à... À la lessive dans les Simpsons qui a la tête un peu d'Homer. Ça y fait un peu penser. Je suis pas sûre que ce soit ça, la ref. Ça m'y fait penser avec les mêmes yeux. Les cassettes, alors oui. Vous auriez pas de vieilles cassettes? Quel genre de cassettes?
L'espèce de boîte en plastique noir. Les gens s'en servaient pour regarder des films autrefois. Vous savez, c'était le truc comme ça, c'était un peu rectangle plat. Ah, il s'en dit quelque chose de résentacé dans le reste du fourbi inutile. Donc vous n'en avez pas besoin ? De quoi ? Vous pourriez me les donner ? Mais certainement, ça fera 100 dollars s'il vous plaît. Oh ! Vous venez de dire que c'est du fourbi inutile ! Ça l'était avant que vous vous y intéressiez. Du coup maintenant, c'est un produit. Oh ! Bah, tant pis, je n'ai pas besoin, j'ai juste l'intention de les emmener à la déchetterie. Me prendriez-vous pour une buse ? Le prix est fixé à 100 dollars par cassette. Pas un cent de moins. Bah, je peux pas. Je vais partir. À moins que je puisse faire un truc là-bas ? Non. L'agent d'entretien. Oh, il va me bully. C'est vous qui avez piqué le pudding et les coquillages de toilette ? C'est tellement Jan Eater de Scrubs. C'est un jeu de survie. La ruine en bouffe et en eau, c'est vrai. Docteur Janitor. Par où je vais ? Bah du coup, il est trop tard. Je peux rien faire là. Je vais aller à la déchetterie. 25 minutes, ça va. Et là, il y a quelqu'un ? Halt, qui va là ? Je vais à la recherche des pièces détachées pour réparer mon matériel d'entraînement. T'entends ça, Dynamo ? On a un client. Ah, il me plaît pas, on dit. Il a une sale tête de fouinant. Je n'ai aucune idée de ce qui cela peut bien être. Je ne suis que ça, le travailleur. Impossible. Paye tes pièces et va-t'en. Oh, ils ont mis joué avec moi. Ici, il me faudrait une autre voix en fait. Ou ici. Ah ouais, voilà, ici. Je vais mettre une voix de fille. Hein. Major, ça. Pourquoi j'ai du déco là? Voilà. Ah non, c'est un peu aigu ça. Bon, c'est pas grave. Comme ça, sinon, juste comme ça. Oh, il me plaît pas du tout. Ou alors comme ça, et là je fais ça. Il me plaît pas du tout. Non, là ça me plaît pas du tout. Comme ça, voilà. Ok. Et du coup, il me faut quoi comme pièce ? Une femme puissante. Essaye même pas de me draguer, gamin. Oui, d'accord. Contre-maître. Acheter. Oh ! Tout est super cher, je peux pas. Barre de musculation, tapis de course. Pirogi. Bon bah on verra plus tard. Hein. Au moins on a vu. Oh y'a un chaud ! Je peux pas le caresser. Ah oui, j'avais pas vu ! Effectivement, j'avais pas vu ! J'avoue que je regarde pas les scènes en fait, alors que je suis sûre qu'il y a plein de rêves partout. Bien vu Ranma, le T-800. Bon, on se casse, hein. On va rentrer à la maison. Voilà, on va un peu au gymnase s'entraîner, au pire. Ah mais il ferme à 22h, j'aurai pas le temps. Ouais, j'aurai le temps de rien, je vais rentrer. Je vais m'entraîner un peu chez moi avant de dodo, limite. On va faire ça. Ah, j'ai faim. Oh, mais s'il fait dodo. Il a trop la dalle. Ok. Ah, ça donne pas beaucoup de bouffe. Il me faut de la vraie bouffe. Il est minuit 50. Certainement moins causé si tu étais encore en âge de passer ton temps à jouer dans le garage. Mais j'essaie de jouer dans le garage, mais on n'a pas de bouffe, maman, en fait. Comment tu survis, maman ? Vu qu'on n'a pas de bouffe, maman. Ouais, j'ai vraiment pas de bouffe.
Bah je sais pas. Ouais mais j'ai pas de bouffe. Moi je veux bien me reposer tout ça, mais si j'ai pas de bouffe c'est chaud. Ah ça passe, stop, arrête. Ah oui ça a passé le temps, ça c'est pratique ça. Ok. Bah je vais être obligée d'aller m'acheter de la bouffe avant d'aller faire du travail. Ah parce que j'ai pas de bouffe. Apu, t'achètes de quoi cuisiner? Mais j'ai pas de thune hein. J'y vais hein, mais j'ai pas de thune. Bah j'y vais. Apu, j'ai faim! D'habitude, je demande un royal et c'est comme ça que je mange. Je me fais un kit culinaire. Faut que je le prépare à la maison, c'est ça? Je rentre à la maison. Punaise, y a pas... c'est pas M? Si je fais M, ça marche pas? Ah non, peut-être, attends. Bon, je verrai. Ok. Je retourne à la maison pour me cuisiner à manger. Qu'est-ce que tu fais? J'essaye de manger quelque chose. Et tu sais ce que j'essaye de faire? Dormir? Oui, j'essaye de dormir. Arrête de faire autant de bruit. Mais comment veux-tu que je fasse? M'en fiche, je vais t'acheter des snacks à l'épicerie ou je sais pas quoi. C'est plus facile de manger à la baveuse du sabuteur. Somnifère pourrait peut-être aider un peu. Je vais demander à Pou. Ah ouais? Oh, je peux pas cuisiner. Putain, mais j'ai faim. Faut que j'aille voir la daronne. Faut que j'aille voir à Pou. Sors d'ici, viens pas m'embêter. Bah, c'est ce que je veux? Je veux pas? Ah voilà. Bon bah, à Pou, putain, je passe mon temps, on va faire des allers-retours. Ouais, ce sauveur d'estomac. À Pou! Je veux un somnifère. Et à Pou, vous aurez des pilules pour dormir? Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous avez regardé Apu et tout... Vous avez regardé Apu et tout de suite, vous êtes dit... Ce type de vendre des marchandises illicites? Non, je... C'est pas parce que j'ai vendu mon corps qu'il faut croire que je vends de la drogue, ok? Didi Bear, merci beaucoup pour le follow qui... pour le sub qui est ici! Merci! Vous êtes bien voyant. Apu ne vend pas de marchandises illicites, oui d'accord. Merci beaucoup Tizibel pour tes 4 mois pour fêter la fête nationale, oui. J'ai entendu les feux d'artifice, hein. Souvenez-vous, ne demandez plus jamais de choses comme ça, t'as compris? Merci beaucoup, j'espère que tu vas bien, Tizibel. Et pour ceux qui ont envie, on fera du Genshin demain. Y'a pas des petits bonbons dans le distributeur, mes clients me disent souvent qu'ils les aident à trouver le sommeil. Y'a des petits bonbons, ok. Petits bonbons. Vous avez un distributeur de bonbons qui vont dormir? Ah, bien sûr que non. C'est pas mon distributeur, je fais que proposer de la location d'espace. À qui est-il alors? Ça vous regarde pas. Ok, on va prendre des somnifères. Ah oui, les bonbons, machin. Votre enfant passera une nuit paisible. Je vais en prendre que 3. Parce que j'ai pas de thunes. Bon, on va faire dormir maman. Compliqué hein, de bouffer. Ah oh bah Royal, il m'aurait fait à manger depuis longtemps, hein. Mais Darren, pas sympa, hein. Qu'est-ce que c'est de refuge, j'ai dormir. Est-ce qu'il y a des bonbons pour t'aider un peu? Ah voilà, je croyais que j'avais le même. Où est-ce que tu les sors? Un distributeur qui est dans... Refuse d'avaler quoi que ce soit qui provient d'un distributeur. Tu sais, notre distributeur de nourriture est un distributeur et on paye un abonnement mensuel, hein. T'as pas écouté ce que j'ai dit? Si, il me semblait que l'épicerie d'Apu était un endroit fiable. Donc ils viennent de l'épicerie d'Apu? Techniquement, oui. Décidément de moins dingue. Donne-moi ces bonbons. Mets dans cette assiette. Ok, je les mets là. J'espère qu'ils t'aideront un peu. Maman, tu m'entends? Les bonbons ont l'air de sacrément bien marcher. Ok. C'est bon alors. Oh là là! Enfin, on va pouvoir bouffer! Eh mais j'ai... Comment ça se fait que j'ai de la bouffe? Ah non, c'est pas ici. Mais c'est où là? Oh si, c'est ça la bouffe! Oh, je comprends pas. Ok. Du coup, là, j'ai de la bouffe sur moi. Bah non.
Ah mais c'est que j'ai mangé direct, pardon. J'ai pas compris, je croyais que je l'avais eu dans mon inventaire. Et excusez-moi. Tu manges directement, ouais, tout à fait. Tu en as cuisiné? Bah oui, je pensais que je venais de la cuisiner et qu'après je l'avais sur moi. Encore merci, Didibel. Ouais, ça remplit ma barre, ouais. Je pensais en fait que du coup je l'avais sur moi et que... Ouh, le boulevard du club. Bon, on va peut-être tenter ça, à la limite. C'est long, mais bon. De toute façon, j'ai trop entamé ma journée pour aller... Pour aller au taf, en fait. Je pourrais rien faire. Bonjour. Bonjour, que souhaitez-vous commander? En fait, on m'a dit que je pouvais trouver votre feuille ici. Et qui vous a dit ça? Le type de l'épicerie, les yeux marrons et rien en dessus du cou. J'aime bien comment il décrit. Ah, tu dois être en habit d'apou. Effectivement, ce serait contre... Je ne sois pas contre un petit coup de main. Si jamais je renifle sur toi l'odeur de ces russes ou celle de Bobo et ses pistes, c'est toi qui prendras des coups, c'est combien compris? Bien sûr, il me semble que Bobo n'a qu'un seul fils, non? Ben. C'est le genre de choses que j'aurais pu demander si j'avais su qui sont les Bobo et ses fils. Non mais what the fuck? Ouais bon, allez au travail. Bobo et ses fils, c'est ceux pour qui on travaille. En fait, la lumière... On va baisser un peu le son. Hop là. Petite save. Il a des petits bouts de nouilles coincés dans la moustache. Ah. Moustache douce. Commencez à travailler. Et là, c'est pas l'heure de faire cuire les nouilles. Repasse à 19h. Quand on aura de nouveau des clients. Mais j'hésite pas le temps de repasser. Bah je m'en vais alors. Le gymnase c'est loin. On va faire ça hein. On va faire le gymnase, on va s'entraîner un peu, on va repasser à 19h. Un peu chaud au début. Il y a de plus en plus de choses à faire. Ah c'est chaud hein. Gérer le temps, le taf, le travail, ouais c'est ça. Ça va être un petit peu comme Sergio pour ça. Sergio, c'était chaud à gérer. Le chat, je vais mettre ici. Voilà, comme ça, vous voyez mieux. Je peux pas m'entraîner ici? Ah si, je peux aller là. Je vais voir un petit peu si je peux m'entraîner. Trifouille. Je vais bien mettre deux. Ah, il me permet de régène. Et du coup, ça me nique de la bouffe. Vite. Où je m'en aille? Oh mince, à partir de 19h, j'ai pas le temps. Tac. Ah, j'ai pas le temps. Oh, swag! Je crois qu'il y a moins de trucs souvent dans le coin en bas à droite. Je vais peut-être me foutre dans le coin en bas à droite. J'ai l'impression qu'ici, il y a beaucoup moins de trucs. Ouais. Pardon? De quoi j'écoutais pas? C'est pas à toi que je parlais. On aurait pourtant dit que si, hein. Tu fais erreur. Laisse-le donc tranquille en Netflix. Hein, qui ça laisse le donc tranquille? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est à moi que vous adressez ce coup-ci? Pour servir et protéger, qui disait. Vous avez été flic? C'est ma profession. Ex-flic, ex-inspecteur, ex-tueur. Délire! Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est difficile à dire. Pour être honnête, je m'en souviens plus. Votre mémoire veut juste du tout. Trois petits points. Les flics bossent toujours avec un coéquipier. Peut-être que lui se souviendra. J'ai plus personne. Il est mort? Pire, il est devenu un holoflic. Ah bah tiens, je me suis fait arrêter par un holoflic une fois. Tu trouves qu'il y a trois inventaires? Bah c'était assez papillon comme histoire. L'optimisme de la jeunesse, t'en fais pas, ça finit par passer. Sauf si tu te mets toi aussi à arrêter des gens, bien évidemment. Ok, mais être un hologramme, est-il un sort pire qu'un mort? Un hologramme est comme toutes les machines. Il peut être utile ou dangereux.
Si c'est utile, c'est pas un problème. Vous voulez parler du libre arbitre? J'ai dit précisément ce que je voulais dire. Tu poses trop de questions. Il avait l'air d'avoir envie de parler. Tu devrais peut-être demander à le capitaine. Oui, mais moi je voulais bosser en fait ici. Commencer à travailler, voilà. Encore à faire des nouilles. Faut au moins que j'ai un salaire. Pour me payer ma bouffe. Je vais essayer d'en avoir deux. Allez, 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 vite, 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 vite. C'est pas malin. Ouf, au bon j'en suis. Les vétères sont rentrés chez eux. Ah non, mince, c'est l'autre. Les vétères sont rentrés chez eux, ça veut dire qu'il n'y a plus de clients. On passe à 19h. Ok. Bon, je rentre. Ah oui, il est 7h du matin. Faut que je passe chez Apu pour prendre de la bouffe. Oh, c'est dur, hein. Au début, c'est dur. La musique de la voiture qui passe. Oui, c'est trop bien fait. Faut pas lire les trois petits points. Qu'est-ce que tu n'en sais? Je vais acheter une casquette, une cassette. Oh punaise, j'ai 10 sous. Mais non. Je vais acheter de la bouffe. J'ai pas le choix, je vais en acheter deux pour le moment. Voilà, je me mets de la bouffe de côté parce que j'en peux plus. Et ça, faut que j'en achète aussi. Voilà. Je rentre à la maison. Tu peux avoir des promotions pour gagner de l'argent. Ouais, je vois qu'il y a une barre de promotion. Ah, elle fait encore dodo. Ah oui, et là je devrais mettre des bons becs. Ah bah vu que je les ai achetés, c'est bon, ça a marché. Ok. Ça va, il est pas fatigué. Je vais peut-être le mettre full, hein. Ouais, je l'ai mis full. Ok. J'aurais peut-être dû attendre, mais je sais pas. Non, 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 mais merde, je voulais pas cliquer là. C'est de la gestion, voilà, de la micro-gestion. Les combats sont pas simples, je trouve. Je vais attendre un peu avant, avant les combats. Je vais peut-être aller à la ferme pour faire un petit peu de thunes là-bas. Pourquoi il fait ça? Pourquoi tu fais pas ça? Ouais, bon. Voilà, je me suis un tout petit peu thune, c'est déjà pas mal. Et là, on va s'en aller. Et on va aller là-bas. Comme ça, il sera 19h. Il sera l'heure de bosser. Je vais le faire. Il faudra que j'avance un peu mes quêtes. Mais là, pour le moment, je vais me faire juste un petit peu de sous. Inscription accessible. Inscription à quoi? Ah, au combat? Nouvelle technique disponible. Ok. Du coup, je m'en vais. Je vais chez Apu me prendre un petit kit. Oh, ça c'est chaud la thune. Vivement qu'on ait une promotion! Et je m'en vais. Et j'irai au club. Attendez, je me suis inscrite à un truc. Je vais aller au gymnase juste à côté. Ah oui, c'est à 22h. Ouais, mais comment je vois? C'est à 22h, c'est ça? C'est celui-là? Il écrit 1, je sais pas quoi. 22h55, c'est ça? Ok, t'es pas obligé de t'inscrire. Bon, bah là, je vais y aller. J'irai à 22h alors. On va se barrer. On va rentrer à la maison. On va faire le manger. Non, on va pas faire le manger.
On va faire le dodo un peu. Voilà, et là on va faire le manger. On n'est pas full bouffe, mais franchement ça va. La jauge de bonheur. Ah oui! Comment je l'augmente? Ah oui, qu'est-ce qui me permet d'augmenter le bonheur? Merci pour le follow, Sachuro. Je sais pas du tout comment... Ah, dans un jour! Ah merde! Ah, c'est pas maintenant alors. Le tapis? Eh bien, bonsoir de rien! Salut, salut! Le tapis, ça me rend heureux? Regardez là, ça augmente notre bonheur. Oh, c'est trop mignon! Non, en vrai, je sais pas. En regardant des vidéos avec Henri. Ah, je peux y aller? Ah, franchement, je vais y aller, hein. Désolé, désolé, désolé. Il va avoir faim, mais tant pis. Ok. Je vais manger un snack. J'en avais gardé un de côté. J'ai pas encore le menuing. Voilà. On va regarder un petit film. Oh mais je peux pas. Mais il faut que j'achète des cassettes. Ah mais j'ai pas acheté de cassettes, elles coûtent trop cher. Est-ce que je me disais que je pouvais pas si j'avais pas de nouvelles cassettes? Mais ça va être trop compliqué. C'est chaud! Je peux pas encore, mais ouais, mais comment je fais alors pour que mon personnage il soit pas malheureux? Faut que j'achète des cassettes, hein. Je pense que c'est vraiment ça. Mais c'est cher. Bon bah j'ai mangé un peu, il est quelle heure? Ouais, 1h du mat. Fin de la baston, mais je peux pas encore? Je crois pas, hein. Je vais aller faire un peu de thunes, juste au moins un truc de thunes, si je peux. À s'entraîner, ça remonte le moral. Ok, je savais pas. Bon, je fais ça tant que j'y suis. Allez, allez, allez. Non, mais sérieux, putain, à chaque fois. Merde. Bah, je vais acheter une cassette. Du coup, j'ai pas le choix. On va chez Apu et je vais devoir du coup acheter ma cassette, acheter de la bouffe et j'aurai plus de... $200. Oh, quel enfoiré. C'est la loi du marché. C'est surtout une arnaque. C'était quelque chose que je faisais. Tu voulais quelque chose, vous pouvez pas l'avoir. On vous renard qu'à demander à une dans une cinquantaine d'années que le prix chute à nouveau. Mais c'est bon, j'ai compris. Oui, non, mais je veux quand même parler à Apu, j'en supplie. J'ai vu comment il mangeait, ça m'a fait rire. Ça m'a rappelé des souvenirs. Eh ben ça, oui, ça c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. J'ai pas le choix. À chaque fois, je veux partir en prenant la porte, mais ça marche pas comme ça. Je suis pas fatiguée, par contre j'ai faim. Est-ce que le fait de regarder un film avec Henri, ça va me coûter... Ouais, ça va me donner faim. Oh, c'est pas grave, tant pis, je mange maintenant. ⁇ 25 minutes. Il habite juste à côté, c'est pas 25 minutes. Ok.
Et mon pote, t'as trouvé une cassette vidéo? C'était la seule qu'il y avait à Pou? Non, il en a d'autres! Pourquoi tu les as pas apportées aussi? Pou est un petit malin! Ah, je vois. Il y a un décret sur cette cassette. Ça va être une bonne cassette, je pense. Je me demande quel film contient. Je sais rien, mais j'espère que c'est quelque chose qui en vaut la peine. Il y a qu'un seul moyen de la découvrir. Oula! 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 On a regardé le film Rookie. ça va leur plaire. Du coup, ça m'apprend des trucs. Ok. Jeune boxeur doué au pignâtre sacrifie tout pour s'extraire de son milieu et se hisser vers la gloire. Stony. Ok. Montre l'efficacité de l'entraînement au soulevé de poids, mais je peux pas encore. Montre l'efficacité de l'entraînement sur tapis de course, j'ai pas encore. Montre l'efficacité de l'entraînement sur punching ball, j'ai pas encore. Bah super. La vache, t'as envoyé du lourd. Clairement, à pour un stock de mon film. Elle n'est pété. De quoi j'ai l'air? De sa manière. Si tu trouves une autre cassette, tu sauras quoi faire. Revenez ici. Et c'est clair hein. Trouver hein. C'est pas sûr que ce soit le mot, trouver. Je me suis inscrite au combat. C'est demain, c'est aujourd'hui. Ou je me repose. Je vais l'envoyer. Non merde. Je vais l'envoyer se reposer un peu en attendant le combat. Ok. C'était à 22h. Ah oui, ça a pas du tout remonté la joie en fait. Ah ouais, non, faut que je m'entraîne. Hein. Bah, je vais aller m'entraîner alors. Vous m'avez dit que ça c'était bien, du coup je vais aller. Tu as un décompte pour l'événement? Ouais, mais à partir de quand? Bon, de toute façon, je vais au gymnase. Je vois pas comment m'entraîner. Ah là? Ici, ça remonte le moral, ça? Non. Ça? Ou ça? Mmh, ça coûte des sous. J'ai pas le choix. Mais ça m'en monte pas le moral. Y'a aucun truc qui me remonte le moral, là. Ah si, ça. Prêt. Je comprends pas en fait. Par la Silver. Ok. Ah, de se faire entraîner. D'accord. Prêt à dégourdir votre vieille carcasse? Et pourquoi pas? Attendez, non, j'avais grosse voix. Et pourquoi pas, je vais me changer. Allez, on s'y met, je n'en. Mais ça me remonte le moral vraiment? Bon d'accord. Mettre ça moi. Ah oui maintenant j'ai du défensif. Moi je mets tout hein. Ah j'ai pas encore. J'ai éternué. Ok. Et du coup ça m'entraîne, c'est bien? Merci! J'espère que c'est fou, c'est au moins de la santé. Oui. Mais comment je vois si ça me monte le moral? Je vois jamais la stat de bonheur. Defeat! Mais je suis nulle. On passe donc demain. Ok. Ah oui, je suis un petit peu contente. Content. Ok. Ah, il est bientôt mon combat, c'est ça? 16h. Ah bah je peux le faire. Peut-être, non. Ah, je comprends.
Il écrit 16h. Il faisait pas 22h ? Ah non, je l'ai perdu ? Ouais, j'ai vu le moral, ouais. Bah, il est 16h. Mais j'avais vu 22h avant. Je comprends rien. Fatigue. Pourquoi je comprends pas ? Dans 16h ? Ah, c'est dans 16h, c'est pas à 16h. Putain. C'est pas pratique. Moi, je comprends pas tout. On va faire le docteur Trifouille. Il est gratuit. Moi, j'ose pas passer du temps parce que je risque de rater. Merde. Sinon, je vais bosser un peu en attendant. Ça serait bien. Le club. Si j'y vais maintenant, j'arrive à 18h35. Ça va être un chouïa trop. Bah non, je vais à l'épicerie d'abord. Je cherche à bouffer. Je cherche un snack. Voilà, j'ai officiellement plus de thunes. Je vais aller travailler. Hein. La ruine. Ouais, j'en peux plus là. Mais c'est la cassette, hein. 100 balles la cassette, bien sûr que c'est la ruine. Lui, pas ton match. Bah, on m'a dit que ça va s'afficher en gros. Apparemment, j'ai encore du temps, ça se mettra en rouge. Ouais, mais je me suis inscrite sans faire exprès, donc j'ai pas le choix. Ok, 95. C'est dans 1h15, c'est ça? Je comprends rien. Je suis plus toujours. Faut que tu t'y rendes. Ok. Ok, bon bah je vais manger. Mince, c'est où mon manger? J'aurai un peu la dalle après le combat, hein. C'est pas grave. Let's go. Bon bah on... De toute façon on s'est engagé, donc on n'a pas le choix. On va tenter et puis voilà. Attention, c'est parti. Très légère avance. J'ai essayé comme ça pour le moment. Ça va, on est bien. Va cliquer sur le bouton et tu pourras faire ton match. Ah, je peux faire mon match même si je suis loin ? Mettre plus d'attaques par tour, je peux en mettre une autre là. Mais je préfère récupérer un peu d'endu. Je pense que c'est mieux vu que maintenant j'ai les esquives en plus qui me demandent de l'endurance. Je préfère mettre ça. Et je pourrais mettre 3 attaques, ouais. Mais j'ai l'impression que ça va. Pour le moment ça match comme ça, donc on va continuer. Limite là on peut essayer de l'achever un peu. Genre pour se rendre là, on met un coup en plus. Un petit. Ouais, moi je suis celui qui gagne, ouais. Puis lui. Lui, il perd. Ouais, pour le dernier round, je pense que c'est là que tu peux tout mettre en YOLO. Excellent! Ok, bon, j'ai perdu de la vie, j'ai gagné du bonheur. J'ai perdu de l'endu, évidemment. Je vais être content, du coup. Réduit à manière significative les dégâts reçus si le blocage est réussi. Plus 5. Et plus 12 en esquive. Plus 11 en esquive, pourquoi plus 12? Ok. J'étais obligée d'aller faire une game d'un jeu de l'enfer.
Ça casse des bouches comme il... ça casse des bouches comme il faut. Ça va, mais finalement le plus dur c'est de se nourrir dans le jeu. Voilà. Oh là là, cinématique. Et un beau combat, hein. Ouais, merci. Mais Nictor ici, il fait pas que tu autorises à te détendre. Elle l'a pour t'inciter à travailler encore plus. C'est un truc que j'ai lu dans un magazine que quelqu'un a laissé dans les chiottes. Enfin bref. Tu sais, en tournant dans le combat, je me suis dit un truc qui me plaît dans sa façon de bouger. Pardonnez-moi, mais vous êtes en train d'essayer de me draguer? Mon petit cul ne peut se fendre? Mais non, c'est juste cette mobilité. J'ai déjà vu quelque part un bon ami à moi qui bougeait de la même façon. Enfin bon, c'était il y a bien longtemps, et c'était peut-être ton père, une vingtaine d'années, genre. Enfin, tu n'étais probablement encore qu'un bébé, parce que c'était peut-être ton père. Ce ne serait pas son portrait qui est accroché sur le mur par hasard? Non, parce que j'ai un peu l'impression que c'est un miroir. Genre, c'est peut-être mon père, en fait. Oh, une pipe! Comment je me suis pas aperçu plus tôt, là? La ressemblance est invraisemblable. Serais-tu un clone de ma vieux topo? Mais non, ce serait plutôt dû au fait que c'est mon père! Ah bah oui, il y a cette possibilité aussi. Savez-vous où je pourrais le trouver? Je saurais même pas par où commencer, il a disparu depuis si longtemps. Mais il y a bien une source d'informations fiable dans cette cité. Ce sont les célèbres archives numériques de la ville haute. Les archives numériques? Tu sais ça? C'est une collection de toutes les informations dont nous disposons depuis la création de l'univers, genre. Tout y est, même la vidéo de Pam et Tommy. Si tu parviens à trouver quelque chose à propos de ton père, ce sera là-dedans. Génial! Comment j'ai pu y accéder donc? Seules les personnes avec un SPC supérieur à 9000 points sont autorisées dans la ville haute. Le chemin pour y parvenir est assez long et douloureux, et il passe par la ville Silver. Parle-moi un peu de mon papa! Eh bien, d'une, c'était un costaud. Certains iraient même dire que c'était le plus costaud de tous les costauds. Il était vraiment un costaud. Nous étions amis, les meilleurs amis du monde. En fait, nous étions même peut-être un peu plus qu'amis. On se retrouvait toujours dans des situations pas possibles. Il nous est arrivé tellement d'histoires. Vous pourriez m'en raconter une? Bien sûr, ça va te coûter de la thune, je pense. Quoi? Eh bien... Je me la drape, fiston! On verra ce que vaudra ta mémoire quand tu auras mon âge. Ah oui, parce que oui, il se souvenait pas en vrai. J'ai commencé à troller et puis du coup, bah, j'ai pas lu ce qu'il a dit. Ok. J'ai avec des barres de faim, quel plaisir. Plus de 1000 heures de arc ici, je le rappelle. C'est vrai, c'était toi. Attendez, je suis inscrit à un autre combat si j'ai ça ou c'est bon? Parce que je veux pas, hein. Moi, faut que je bouffe. Ok, je suis content, j'ai pas de bouffe. On va aller voir Apu. Je gagne pas des sous quand je gagne un combat, évidemment. Évidemment. J'ai même pas prévenu Dilo que finalement je faisais pas du The Crew. J'aurais dû. J'ai oublié. Après, j'ai eu ce jeu-là et du coup, je me suis dit « Ah, je vais trop y jouer !» On va se faire un kit. Et je vais quand même acheter une barre de céréales. Un sandwich plutôt. Au cas où. Ok. Je me le fais tout de suite ou pas? Ou je vais peut-être à la ferme. Je vais aller à la ferme. Je mangerai après. Quoique non, ça va me demander plein de trucs. Allez, juste un et on se casse. Ok. Voilà, ça me fait un peu des sous, on va à la maison et on va manger. En douille sans, exactement. C'est en train de faire tes massages. Avec ses pieds, la dame au-dessus du ring. Je sais pas, je connais pas ce truc, mais j'imagine que ça permet de muscler la sangle abdominale. Parce que tu tournes, tu vois. Je sais pas. J'imagine. Ok, maman, elle dort. J'ai bouffé. Et je suis un peu fatiguée. Je vais faire un petit dodo de pas longtemps. Voilà. Et je vais aller dans là-bas me faire des sous aussi. À 2 heures de trajet, ouais, j'aurais dû m'en douter. Tant pis. Ça pourrait être pire. On va faire ce qu'on peut. Il faudra qu'on aille parler aux flics aussi. Mais bon, là pour le moment, c'est je galère à juste me nourrir. On est bientôt à la promotion.
maison de la promotion, on n'y va pas, c'est pas grave. On va retourner chez Apu pour bouffer. Pour s'acheter à bouffer, manger et dormir. C'est compliqué. Hein. Je vais pouvoir acheter deux bouffes d'avance. Ouais, j'y vais vraiment petit à petit. C'est tout est trop coûteux. Ah, il fait pas dodo, merde! Non, mais c'est pas grave là. Si? Non, c'est pas grave. Incroyable. Je pense qu'il faut que je retourne un petit peu au gymnase pour m'entraîner. Pour qu'il soit content. Donc on va s'entraîner un peu. Je peux lui dire si tu veux. Oui. Si tu veux bien lui faire passer en disant je suis désolée, j'ai oublié de lui prévenir, la prévenir, mais elle a dû le voir. Mais que je suis vraiment désolée de ne pas lui l'avoir prévenu. Voilà. Je me suis fait emporter après par ce jeu-là et j'ai pas vu le temps passer. Je me suis dit, ah bah vas-y, je le lance, et puis j'envoie un petit message à Tilo, et puis j'ai complètement oublié. Je vais faire ça. Et juste plus de vie que ce qu'il me use. Hein. Mais bon, il a beaucoup plus de vie au départ. Defeat. Ok. Mais au moins, il est content. Il me faudra peut-être un peu de vie. Je vais aller voir celui-ci. C'est quoi ça? C'est que j'ai une inscription? Mais je veux pas m'inscrire. Hein. Ah oui, c'est que je peux m'inscrire. Non mais je veux pas. Ton truc à faire là. Qu'est-ce qu'on fout? Bah je vais... Si je vais là, ça fait combien? Une heure. Ouais, je vais faire ça. On accumule encore un peu de sous. Fiac. On accumule encore un petit peu de sous et la prochaine journée, je ferai un peu de l'or. Voilà, un petit peu. Parce que si je fais plus, bah le truc c'est que ça me tue trop de bouffe et d'énergie. Voilà, je vais chez moi. Oui, c'est ça. Ah non, c'est Henri. J'ai mis Henri, je voulais pas Henri. Non. Pas tout de suite. Là, je me suis trompée, fais chier. Ou alors non, je vais le faire dormir. Là, tout de suite, tant pis. Il est trop fatigué. N'oublie pas les bonbons. Oh, oui, faut que j'en rachète. Là, elle va m'engueuler. Non, c'est bon. Mais du coup, j'ai plus besoin de le faire, ça va? Elle m'engueule plus, c'est bon. Elle fait pas chier. Elle fait pas chier, ma mère. Il est 23h05. Est-ce que si je vais en haut pour faire des sous, ça passe? Ouais, vas-y, je tente. Les directs de Genshin sont vraiment longs, heureusement que j'ai vos streams. Ouais. Ça fait un peu imploser. Bah après j'ai ma promotion. Let's go to the promotion. Ouais, je l'ai pas fait. J'aurais pu le faire avant, je suis con. Je partirai pas tant que j'aurai pas récupéré mon argent. Et tu veux bien? Oui, t'as qu'à rentrer par derrière. Hein, de quoi? Parce que tu bosses dans ce bibi, j'existe d'être remboursé, la bouffe était dégueulasse.
Se calme. Il doit y avoir moyen dans le tunnel de gérer le problème. Non, mais c'est pas cette voie-là. Salut Gina. Pardon, je vais arriver. Merci beaucoup pour le raid. Je suis vraiment désolée de t'avoir abandonné, mais voilà, le jeu ne voulait pas fonctionner avec moi. Du coup, j'ai pas suivi. Je vais me battre avec lui parce que voilà, il veut être remboursé parce que la bouffe était dégueu. Ok. Merci beaucoup. J'espère que vous vous êtes bien éclatés. Je pense que oui. Moi, ça ne voulait pas. Peu importe les réglages que je faisais. Une Dilo pilote débarque, tout à fait. Dilo qui a volé tous les FPS du jeu. Mais ouais, c'est terrible. Je suis un peu deg, ouais. J'avoue que je suis un petit peu deg. Je pense que ça vient vraiment d'une incompatibilité parce que mon GPU était très bien. Je veux dire, il n'était pas du tout... galérait pas. Et puis, bah, j'avais... que je mette les graphismes en très low ou en ultra, j'avais aucune variante de FPS. Ils étaient juste absents. Donc j'imagine qu'il y a un sous avec mon matos. Enfin un sous, je veux dire une incompatibilité quoi. Parce qu'il n'y a pas de sous avec mon matos. Merci beaucoup pour la dédicace à Gilo. N'hésitez pas à passer voir Gilo qui, elle, a une config qui fait tourner la bêta de Motorfest. Donc déjà, c'est déjà bien. Et on va faire du Overwatch bientôt avec Gilo aussi. Je sais pas quand, on va essayer de voir ça peut-être la semaine pro si t'es chaud. Asmo a une 4080, il a eu 15 FPS. Ah ouais. Ouais, parce que c'était ça, hein. Et j'avais de l'input lag. Vraiment, vraiment, c'était difficile à jouer, mais parce que forcément, quand t'as pas d'FPS, bon, en fait, tu lag en permanence, finalement. Oh non, pas Rezark. Comment tu vas, Rezark? Si t'as bien aimé le jeu? Vous avez bien aimé, j'espère que vous avez passé un bon moment. Ah oui, non, faut que je laisse là. Du coup, bon, je vais combattre. Oh, mais lui, il va m'éclater. Ouais, mais il aura aucune récup. Lui, il va être full dans l'offensif. Oh non, non, mais il va tellement m'éclater. Il a 109 de vie. Il a 109 d'endurance. Moi, j'ai 104 et 100. Et il a des slots de plus pour me taper. On est mort, hein. On est totalement mort. Je kiffe pas mal, oui, étonnamment. Mais franchement, c'est bien fun, hein. C'est bon délire, de coup. C'est pour ça que ça fonctionnait parfaitement, par chance. Bah, pour vous deux, par chance. Au moins, toi, t'as pu le stream comme il faut. Bon, je fight, mais ça va pas le faire du tout. On est sur la découverte de Punch Club 2. Un jeu de gestion assez exigeant. Donc dans mon avion. Oh, je prends trop cher. À moins que son nom... Je vais être obligé... De... Bon, je vais mettre un coup en plus ici. Ouais, non, je suis dead. Je suis totalement dead, en fait. Il t'étale. Mais ouais, je sais qu'il m'étale. Je suis dégoûtée. Oh, je prends trop cher. Faut que je fasse un truc qui m'enlève... Qui me... Ah, c'est dur. J'ai tenté deux esquives. Les trucs en haut, tu peux pas les utiliser. Mais en fait, en plein combat, je peux rien faire. Donc je comprends pas trop comment ça marche. C'est entre deux combats qu'il faut que j'utilise ça. Oh, il m'éclate. Genre ça. Je peux rien faire, tu vois. En fait, c'est des trucs si ça se passe. Se relever après un KO restaure plus d'énergie. Réduit les dégâts reçus en cas de KO. Restaure un peu d'énergie entre chaque round, tu vois, voilà. Restaure un peu de santé au début de chaque round. J'ai plus d'énergie. Ah si, ça va. Et franchement, j'en suis pas si mal sortie parce qu'il avait beaucoup plus de vie que moi. Hein. Oh ! Allez, mets le coup en premier. Si je mets le coup en premier, je... Sorti par la bite, celui-là. Salut, Duke le barbare. Duke. Bêtise. Ben non, justement. Tu arrives sur une victoire, enfin. Et une victoire vraiment pas donnée d'avance. Hein. Non, il m'étale pas du tout. Oh, oh là là. Je suis trop contente. J'ai réussi à stratégier. C'est Lox la meilleure. Oh, ça, on le savait. Merci. Non, trop bien. J'ai stratégié. Vous avez vu ma stratégie? Bon.
du coup j'ai plus de vie, j'ai plus d'enduit, par contre je suis toute, voilà, je suis heureux quoi. Mince, je vais refaire sa voix. J'ai dû me tromper, t'avais raison. J'ai pas pris ma gueule. Entraîne-toi. Ah non, faut qu'il aille dormir là. T'as prouvé ta valeur. Tu pourrais continuer à faire. Ah mais non, mais c'est magique. Elle me fait cette voix là aussi. Je sens. Je pourrais continuer à faire ce que je. Ah non. Ah oui, ce que j'ai fait, mais tu sens me payer. Ah youpi. Du coup, je vais te me payer. Et une dernière chose. Oui. Ça ferait pas de mal d'être un peu plus agile. Je te suggère d'intégrer une école de combo spéciale. Tu l'écoles ? Celle du Taekwondo. Taekwondo. Un ancien art martial basé sur l'agilité et la vitesse. L'idée est de tonifier tes muscles afin de t'en servir à leur pleine capacité. Ah ouais, je vois, merci. Mais de rien. Du coup, je vais pouvoir... Alors, style de combat basé sur les coups de pied. Fréquent et sur les esquives. Ok. Bah c'est ce que... Oui, c'est comme ça que j'ai gagné. Oh, salut c'est Clippy. Qui a déverrouillé... Non, c'est pas le bon endroit. Qui a déverrouillé une nouvelle école de combat. Félicitations. Ouvre l'onglet combattant. Toutes les écoles de combat se trouvent ici. Tu n'es qu'au début du chemin. Oh, Taekwondo. Style de combat basé sur tout. Ok, je prends. De nouveaux talents. Pour les activer, tu devrais utiliser une compétence qui appartient à cette école. Oui, d'accord. Il faut aussi qu'on jette un œil là-dessus, l'arbre des techniques. Cette compétence fait partie de l'école que tu viens de déverrouiller, donc elle active ses talents. Ces compétences appartiennent à la nouvelle école de combat. Ouais, d'accord, ok. Oui, ok, ok. Est-ce que je pourrais mélanger les écoles? Je pense pas. Je pense pas. Amuse-toi avec tes nouvelles compétences de l'arbre des techniques. A plus, bisous, ciao, ciao. Ok. Ok. Déjà, je me rends compte que je suis pas bien centrée, ça m'énerve. Voilà, là déjà c'est mieux. Ensuite, je pourrais même inverser, histoire que je regarde vers vous. Je vais le faire. Quand même, quand même, quand même. Inverser horizontalement. Ouais, ça va. Oh, ça fait bizarre, j'ai un profil bizarre. Est-ce que je peux acheter des trucs? Non, il me faut des points de chaîne, c'est quoi? Bah pour le moment, je peux rien acheter en compétence, j'ai pas les points. Taekwondo! Ah, je peux acheter ça! Ah oui, d'accord. Coup de pied médian. Inflige un peu moins de dégâts qu'un coup de pied, mais consomme un peu moins d'énergie. Non, je veux prendre un truc balèze. Il me faut un ult, moi. Prendre ça. Bah, je peux acheter ça aussi? Let's go! Mais où sont mes points? Je vois pas. Oui! Ah, là, je peux prendre une nouvelle capacité. Alors, attendez. Je pense que je vais prendre Sprint. Permet de transporter plus d'objets. Augmente la vitesse de déplacement en ville. Je vais prendre tellement ça. Bah, de rookie! Augmente l'efficacité des pompes sur le tapis. Bah, je vais faire ça aussi. Oh, je peux tout prendre là. 25. Ah oui, il me reste 25. Ah, j'aurais dû prendre ça. L'entraînement au soulèvement. Ouais, mais j'ai pas encore le truc pour soulever des poids, donc je prends tout ça. Ok. Oh, j'avais pas pris des compétences depuis longtemps. Depuis le début, en fait. Bon, alors. Dans mes objectifs, on a fait tout ça. Il faut qu'on découvre ce que manigance la mafia russe. Qu'on donne une leçon à Uwei. Et qu'on parle à Lolo Capitaine. Ah oui, c'est vrai! Oh Lolo! En tout cas, là, je me tire. On va à l'épicerie d'Apu. Ouais, hein, bah, je vais m'acheter de la bouffe. Hein. Oh, il est tout heureux! Je suis contente! Oh Lolo! Oh là là, Malilou! Je vais acheter des bons becs aussi. Oh là, j'ai plus de thunes. Est-ce qu'il faut que je mange? Oui. On va aller manger.
et on va faire, on va bosser un peu dans la journée. Et le lendemain, on fera des trucs intéressants. Promis. Là, je peux manger. Tant que c'est la nuit, je crois que je peux manger. C'est le matin où je peux pas. En fait, j'ai pas besoin de faire des bons becs. Hein. Franchement, je vais plus en acheter, moi. Hein. Ouais. Ah, j'ai plus beaucoup de vie, par contre. C'est pas grave. On verra ça quand on ira s'entraîner. Je vais à la ferme bosser un peu. Les trajets sont moins longs ou pas? J'ai pas vu une grosse diff. Oh, je continue tant que je suis en forme. Non, c'est la nuit. Je pouvais pas. Ok, c'est pas grave. Oui, je m'en vais, je m'en vais. Oui, je m'en vais. S'il te plaît, tire-toi. Oui, oui, je m'en vais. Laissez-moi juste partir, en fait, tant que je peux pas faire... Voilà. Il a des tétons, lui. Ils sont dingues, hein. Tétons de fou. Je pense que je vais aller au commissariat. J'ai encore un peu d'énergie. Oh, mais il sera plus là. Oh, je tente. Le flic. Ah mais fallait que je parle à Lolo capitaine. Ok. Attention, c'est Tipa. Bonjour. Hein. Déjà de retour... Ah non, c'est cette voix-là. Déjà de retour, je pense pas que tu aies un SBC suffisant pour devenir policier. Je me demandais ce que ça fait d'être un Lolo flic. Et ben ça, gamin, c'est génial. Je peux servir la grande corporation et aider les gens, même après avoir passé l'arme à gauche. Pourquoi veux-tu savoir ça? Mais j'ai recruté un type! Qui ça? Il m'a pas vraiment donné ce nom. Un long manteau débordant de frustration et qui déteste les œufs de fluc. Oh, ça doit être... Ça m'a tout l'air d'être K. Oh, l'agent K! Ça fait un bail que je n'ai pas vu. Comment va-t-il? Il bourrait du noir. Ah, pas étonnant. On était coéquipiers à une époque, tu sais. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, disons que dans ce boulot, soit on résout une affaire, soit on devient un élément de cette affaire. Et K a très mal supporté mon décès. Mais vous êtes de retour! Enfin, en quelque sorte. K a peut-être mentionné l'accident. C'était pas joli, joli. Nous avons tous les deux fait des choses que nous regrettons. Une ref... Ouais, je pense que c'est une ref à Men in Black, t'imagines? Mince. Nous avons essayé d'oublier, K s'en est mieux sorti que moi. Qu'est-ce qu'ils ont dit avant? Nous ne sommes plus jamais reparlés depuis. Pour faire court, K considère que les holofiques comme des souvenirs contrôlés, des outils, pas des gens. Franchement, il a pas tort le bro. Oh! Ouais. Mais avant ça, tout allait bien. On se gavait ensemble de donuts à la framboise. Et tu sais quoi? Peut-être que tu pourras aider K à changer d'avis. Mugment? Une minute. Eh, je fais bien, hein. Je fais même les bruitages en doublage. Bruitage en doublage, la nouvelle émission. C'est son insigne de policier. Pour toi, ça n'a l'air de rien. Mais pour lui, ça veut dire beaucoup. Tu crois que tu pourrais lui donner en signe de ma bonne volonté? Bien sûr. Ok, donner son signe à K. Let's go. Ah bah merci, Oléoflic. Criminel le plus dangereux du 20e siècle. Simon Phoenix. Simon a dit... Dégage. Eh bah je m'en vais. Simon, il est pas l'air content. Est-ce que c'est lui dans Demolition Man? Il est trop tard, je pense, pour aller faire le Boulevard Club. Oh non, j'y vais. Franchement, les trajets sont longs quand même. Ah oui, mais c'est vrai que j'étais loin. En fait, il était totalement trop tard, je pense. Ah bah du coup, je vais voir le flic. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, dans le coin rouge. Ah, génial, il a finalement réussi à se bourrer la gueule. Immense, c'est terrifiant, l'Undertaker. C'est pas un catcheur? Regarde, le truc a été... Regardez avec mon père. Le catch, tu connais?
Du gros costume, verre de maquillage qui se fout sur la tronche pour rigoler. C'est pas trop mon truc. Tu préfères le vrai combat. T'as plusieurs choses en commun avec les cacheurs, tu imagines. Mais comment ça? Tu suis le script qu'on a écrit pour toi. Et c'est quelqu'un d'autre qui décide du moment où tu dois te coucher. Tu finiras par te coucher. Ça se fait aucune illusion là-dessus. Trop un petit pot. Comme l'a toujours dit un homme très sage, la vie c'est de la merde, puis on finit par crever. Voire pire. Mais comment ça, pire? Vous étiez le coéquipier du capitaine, pas vrai? Avant l'accident. Bonne nuit, Grisou! Des bisous! Bon courage! J'ai aucune envie d'en parler. Mais non, car vous lui manquez beaucoup! Écoute, la vie n'est plus si elle était. Comment t'expliquer ça pour que tu comprennes? Imagine le boxeur le plus coriace, le plus méchant que t'aies jamais vu, mais déguisé comme ta mère. Il est là nettement... N'attendant que le moment où tu te pencheras pour goûter sa délicieuse tarte, pour te latter les couilles. Avec une telle violence que plus rien ne sera plus jamais à sa place après ça. Je sais que c'est difficile pour vous, c'est pour cela que le capitaine m'a donné cette signe. À vrai dire, je ne sais pas trop ce qu'il peut représenter. Ni pourquoi il n'arrête pas de clignoter comme un gadget d'espion, mais il m'a dit que vous comprendriez. Il tient à ce que vous sachiez qu'il n'a pas oublié. Que vous comptez encore pour lui. Oh petit point. C'est désespérant, tu sais ça. Je vais dire pourquoi il clignote comme un gadget d'espion. Mais c'est ça, un gadget d'espion. Pense bleu. De quoi? J'ai dit un truc que je n'ai pas compris. Grâce à toi, ils savent désormais précisément où je me trouve. Du coup, tu pourrais me rendre un petit service? Mais bien sûr! Alors, cette chose dans la première poubelle venue. Et oublie tout de notre rencontre. Ça fait deux services, hein? Une dernière chose. Fais confiance à rien, ni à personne, ni même à moi, d'accord? Mais tu me dis ça? Oh. Ici, il y a trois nibards. Hein, où ça? Le sang, juste après qu'il m'a dit de faire confiance à personne, comment est-ce que tu peux me laisser avoir comme ça? Blade Runner, évidemment, des bisous, Démonia! Bonne nuit! Ok. Bon. Alors, pourquoi pas, mais... Il faut que je bosse. Let's go. Let's go. Du coup, j'ai 32$. Pourquoi il y a ça? Je sais pas. Ah, c'est mon avancement. Je sais pas. De Y à 25. Ok, c'est bon. On se casse. C'est la fin de la journée de travail. Non. À Pou, évidemment. Mais, attendez, je me déplace vraiment plus vite, j'ai pas l'impression. Je passe dessus. Non. J'ai 200$. Je peux acheter une cassette, mais non, pas tout de suite. Je pense qu'on va... On peut s'attarder sur du combat. Hop là, je prends 3 repas, je suis dingue. Je vais m'entraîner à la maison. Et je vais aller m'entraîner tout court après. Enfin, je vais m'entraîner dormir, manger. Et après... Ah mais c'est con parce qu'il est... Il est tôt, c'est bien pour aller s'entraîner, je suis pas loin en plus. Allez, j'y vais maintenant. J'y vais maintenant. Je crois qu'au pire, j'ai un petit truc à grignoter sur WAM. Allez. Petit entraînement. Chez WAM. On s'y met le genou. Ok. Oh non, encore machin. Yo, ouais, c'est encore moi. Toujours un plaisir de te revoir. Tu peux maintenant choisir une école de combat. Jette-y un coup d'œil. Ah oui, d'accord. Voici toutes les écoles. Il y en a pas des masses pour l'instant. On va choisir celle-là.
Taekwondo, un style de combat basé sur les coups de pied fréquents et des esquives. Chaque école propose ses propres talents. Ah oui, il faut que j'achète des machines d'entraînement chez les Russes. Oui, c'est vrai, t'as raison. Enfin, chez les Russes, je savais pas que c'était les Russes. Mais en tout cas, à la déchetterie. T'as tout à fait raison. Plus tu utilises des capacités d'une même école, plus les talents sont activés. Plus de talents sont activés, ok. Il est temps de les activer. Ok. Coup de pied médian. Regarde, t'as activé un talent d'école. Voilà l'ami. Est-ce que tu es suffisamment assez malin pour comprendre le reste tout seul? Bonne chance, bisous, bisous, tata. D'accord. Coup de pied bas. Peut-être faire un direct. Esquive. Esquive, blocage. Esquive. Laissant plus d'énergie entre chaque round. Ok, trop bien. Bon, on va tenter ça alors. Ah, j'étais pas full niveau vie. Tu as pas mis beaucoup de talents de l'école. Bah j'en ai mis 2 sur 4. Mais j'en ai que 2, j'ai que ces 2 là. Ah, je peux en remettre un après hein. Je mets ce coup de pied médian. Ah, j'ai pas d'énergie. Ah oui, faut que je récupère de l'énergie, j'ai pas le choix. Je vais faire ça. Ah oui, c'est que 2 rounds, ça va. Il y a juste le coup de pied médian qui appartient à l'école par l'autre. Ah mince, je pensais que les 2 appartenaient à l'école. Ok. Ok, ok. Coup de pied médian, faut que j'en mette 2 pour que j'ai plus de trucs. Ok. Bon, en tout cas, j'ai win. Ma première victoire. On va aller se régénérer un peu. Par contre, il est éclaté, notre petit personnage. Mais ça, ça le restaure pas en enduit. J'aurais pu... nous aurions pu penser... Oh, il est tout heureux. Non, pas chez Henri. À la maison. On va faire dodo. GG, ouais, franchement, je suis contente. Il était tellement crevex. Ok. On a 2 heures de VOD, je vais la couper. Je vais la quoi couper? Hop là. J'ai mangé. Je vais arrêter la VOD là, je vais en faire une tout de suite. À toutes. VOD. C'est la découverte de Punch Club 2. Et c'est marrant.